Hello famille, nouvelle vitrine, Search TV. Info people, actu showbiz, tous les faits de société, cinéma, sport, opinion et débat. Search TV, nous trouvons l'information que vous cherchez. Bonsoir, je suis Ruskin, chanteur reggae, très rousse. Vous pouvez trouver mes sons reggae très rousse sur ma chaîne Ruskin. Ruskin, c'est R-O-O-T-S-K-I-N. Voilà. J'avais déjà fait une vidéo où j'aimerais faire demander pardon à Mac Naï, demander pardon à la Nation pour qu'on puisse voir comment l'aider dans ce sens. Et au lieu de ça, j'ai vu qu'il demande pardon à des Bordeaux, demander pardon à Réchené. Bon, c'est vrai, ça c'est le milieu musical. Mais toi, tu as un problème. Tu es condamné par la justice ivoirienne et tu dois aller faire la prison pendant 12 mois avec, 20 millions de dommages et intérêts, 100 000 francs d'amende. Pour cela, tu es bloqué en France si tu ne viens pas en Côte d'Ivoire. C'est ce problème qu'il faut chercher à régler. Demander pardon à de Bordeaux si le conseiller de Bordeaux ne peut pas régler ton problème. C'est une bonne chose. C'est une bonne initiative. J'apprécie. Mais ce n'est pas ce qu'on te demande. Tu as un problème qu'il faut résoudre. C'est comment tu vas faire pour venir habiter en Côte d'Ivoire. Comment tu vas faire pour venir faire tes conseils en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut résoudre. On donne des conseils, tu fais autre chose. Arafat, demande pardon au petit Mac Naï. Tu te mets à la télévision. Enfin, tu fais les directs et puis demande pardon à de Bordeaux. Hein. Des pardons inutiles. Quand on sait que quand vous allez retourner demain, c'est pour sortir les armes, c'est pour vous battre inutilement. Hein. C'est pas ça, ça nous intéresse pas. Tu as un problème. Tu es un artiste ivoirien que nous aimons beaucoup. Tu as un problème avec la justice ivoirienne. Il faut initier un pardon en commençant par celui à qui tu as offensé, celui que tu as déshabillé sur Internet, celui que tu as offensé, celui pour qui et à cause de qui tu as été condamné à 12 mois de prison, ce qui n'est jamais arrivé sans Côte d'Ivoire, en fait. Reste devant ta caméra et demande un pardon sincère à Mac Naï pour ce que tu lui as fait. C'est là mon message de ce soir. Nous attendons, nous les Ivoiriens, nous attendons toujours que tu demandes pardon à Mac Naï, à son père, M. Naï, à la nation entière, au monde du showbiz, que tu demandes sincèrement pardon. Tu regrettes ton acte et que plus jamais tu vas recommencer cet acte. Et tu verras ce qui va se passer. Merci et bonne soirée. Partagez au maximum cette vidéo pour qu'elle arrive à Arafat, parce qu'apparemment il n'écoute pas. Il n'a pas encore bien entendu. Les sons lui parviennent. Les débris de ce qu'on lui demande lui parviennent, mais lui-même n'en prend pas. Parlez-lui. Merci et que Dieu vous bénisse. Search TV, nous trouvons l'information que vous cherchez.